et bienvenue pour ce nouveau tutoriel vidéo. Aujourd'hui, je vais vous apprendre une musique assez connue qui s'intitule Nothing Else Matters de Metallica. Donc, je vais d'abord vous le jouer en entier. Le voici. Alors, pour jouer ce morceau, on va commencer par mettre ses palettes en sol majeur, c'est-à-dire qu'on va avoir en palette le V, Mi, La, Si et Fa dièse. Ensuite, pour commencer, on va travailler l'introduction avec les deux mains. Donc on va mettre le deuxième doigt de la main gauche sur le Mi grave et la main droite sur Mi, Sol, Si, Mi. Donc avec le quatrième doigt sur le Mi, le deuxième doigt,
le troisième doigt pardon, sur le sol, le deuxième doigt sur le si et le pouce sur le mi. On joue les deux mi graves ensemble. Et arrivé ici, avant de jouer le pouce, on va reposer le 2, le 3 et le 4. Et on redescend le même accord. Et on refait la même chose 4 fois. Alors veillez à reposer vos doigts le plus vite possible. Dès qu'il vous reste plus que le pouce, hop, vous reposez tous vos doigts. Donc quand vous avez fait ça 4 fois, on va avoir une inversion. La main droite va laisser place à la main gauche. On va suivre l'accord avec la main gauche. Donc, il fait la même chose. Il a repris les mêmes notes avec les mêmes doigts. 4, 3, 2, pouce. Et là, on va voir l'introduction qui rentre en jeu. La main gauche reste sur mi, sol, si, mi. Et redescend à présent sur la, mi, la, do. Donc pour ceux qui ont des grandes mains, vous pouvez placer directement tout l'accord. Donc le quatrième doigt sur le la, le troisième doigt sur le mi, le deuxième doigt sur le la et le pouce sur le do. Pour ceux qui ont des plus petites mains, vous allez placer la mi la et vous allez tourner avec votre deuxième doigt pour atteindre le do. Donc avec les grandes mains. Dès que vous arrivez au niveau du pouce, vous replacez tout le long. On fait un aller-retour et un aller pour cet accord-là seulement. Ensuite, la main gauche continue avec la, si, do, avec 3, 2, 1. Puis on se déplace sur mi, sol, do, 3, 2, pouce. Arrivé au pouce, on repose exactement les mêmes notes. On repose juste en dessous sur Ré, Fa, La et on repose la même chose, on fait l'accord en montant et en descendant et on revient sur Mi, Sol, Si, Mi à 4 doigts 2 fois. Je vous refais juste la main gauche. Voici maintenant la main droite. Voilà toute la phrase, décomposée à présent. Donc vous commencez avec votre pouce sur le si, puis le troisième doigt sur le mi. Vous faites si, si, deux fois. Une troisième fois le si, mi, mi. Donc moi je fais le pouce et le 3. Et après je rattrape le mi avec le 2. Ensuite vous faites si avec le deuxième doigt. Le pouce sur le do. Vous alternez si, do, si. Et là vous replacez le 2 et le 3, do, si, la. Donc si, si, do, si, la. Ensuite vous placez les 4 doigts. Si, La, Sol, Mi, Mi. Donc, le 3, le pouce, Do, Mi, Do, Sol, Do, Mi. Ensuite, on continue, Do, Mi, Do, Fa. Et là, on va alterner avec le Fa et le Ré.
Ré. Fa, je pose le troisième doigt sur le Ré. Je repose le 2 et le pouce sur ce Fa et La. Ré, Fa, La. Ré, Fa à présent. Avec le 3 et le pouce. Ensuite, on se place sur Si avec le troisième doigt et pousse avec le Mi. Si, Si, Mi, Mi. Je rejoue ce passage-là. On alterne le Do et le Mi. Avec Do, Sol, Do, Mi. On s'arrête sur le Fa. On repart avec Fa. Pardon, Ré, Fa. Ré, Fa, La. Ré, Fa, Si, Si, Mi, Mi. Les deux mains ensemble à présent pour cette partie. Donc on va commencer par la main gauche. Et la main droite commence quand la main gauche redescend sur le sol. Donc le premier Si en même temps que le sol, le deuxième Si en même temps que le Mi. Je le refais. Donc là on a le troisième Si en même temps que le Mi. Le Mi de main droite tout seul et le deuxième Mi de main droite sur le Si. On continue la main droite toute seule jusque là. Avec le Si, on fait partir le Si de main droite. Avec le Mi de main gauche, le Do de main droite. C'est le Si avec le Si. Et là, avec la main droite, on va faire partir Do Si La juste avant le Sol. Donc le La en même temps que le Sol. Je refais ce passage-là. Depuis le début. Et hop. Et là, on replace les quatre doigts. Le Si en même temps que le Mi, le La en même temps que le Sol de main droite tout seul, et le Mi en même temps que le Si. Et sur le deuxième Mi, c'est là qu'on va changer la main gauche. Donc je vous refais juste cette petite descente. Donc, Mi, et hop là, on se place sur le deuxième accord, La, Mi, La. Do qui se joue tout seul, donc là c'est tranquille. Vous jouez juste la main gauche. On continue. On place donc La, Si, Do et Mi, Mi, Mi à la main droite et on fait en même temps que les notes. Voilà. Ensuite on a tout le biblique à la droite avec la main gauche Do, Mi, Sol, Do. Donc. S'alterne. Je vous le refais. On commence par le Mi. On a le Do de main droite. On a le Su ici, le Sol avec le Mi. Le Do tout seul. Et le Do de main gauche avec le Sol de main droite. Le Mi tout seul. Le Mi avec le Sol. Demi ensemble et on atterrit sur le Fa avec l'accord Ré Fa La. On refait ça tranquillement. Mi d'abord, Do maintenant, ensemble, tout seul, ensemble, tout seul, ensemble, tout seul, ensemble, tout seul, ensemble. Vous voyez, à chaque fois ça s'intercale. On continue la suite. Donc on arrive sur le Fa. On a Ré, Fa, La à la main gauche. Le Fa tout seul. Le Ré qui s'intercale. Et le Fa avec le La. Là on va intercaler les trois notes. Juste avant le Fa. Donc on atterrit Fa avec le La avec le Fa. Pardon. Donc tout seul. Tout seul. Main droite.
main gauche et main droite. Main droite avec main gauche. Ensemble. Si, si, tout seul. Et on reprend l'accord mi, sol, si, mi à la main gauche. Et on va rajouter un petit arpège, donc sol, si, mi à la main droite, qu'on essaye de caser pour que les deux mi tombent ensemble, les deux pouces mi ensemble. Donc, 1, 2, 3, arpège. Et voilà. Voilà pour l'introduction. Voyons à présent la première transition de ce morceau. Donc on va la prendre les deux mains ensemble, ce sera plus simple, vous allez voir. On va lancer la main gauche avec le mi grave, voilà. Ensuite la main gauche se déplace sur mi, sol, si, dans les médiums, et la main droite mi, sol, si, juste au-dessus. On décompose la main gauche, on joue les accords de main droite ensemble. On descend ensuite sur ré, fa. Donc ré, fa, la main gauche, ré, fa, la main droite. Là, on joue ré, fa, et avec le la de main gauche, on met l'accord de main droite. On fait la même chose à la main gauche, enfin bon. On fait la même chose juste en dessous avec do, mi, sol. Et on recommence. On descend. On va partir dans les aigus avec la main droite, on va faire mi, sol, si, mi. Donc le sol va partir en même temps que le si et les trois autres ensemble. Ensuite, on place ré, fa, la main gauche et la, fa, main droite. Donc là, on a la main gauche qui commence, la main droite, le la avec le reste de la main gauche, fa, la. Fa, fa tout seul, on descend. Do, mi, sol et mi, sol à la main droite. On refait la même chose à la main gauche. Et la main droite se descend sur sol, ré, ré. Là, on a une palette à monter, c'est le ré qu'on va mettre en dièse. On va lancer juste le do. On fait fa, ré, ré, dièse. Et on va redescendre la palette le plus vite possible en l'étouffant avec la main droite. Pour reprendre la main gauche sur mi, sol, si, arpège, comme on a vu précédemment. Je vous refais ce passage. Donc je reprends sur si, sol, mi. Je fais l'accord. Voilà pour la transition. Nous allons passer maintenant à la mélodie. La main gauche, quand il y a la mélodie, va faire une base qui va toujours être la même. On va commencer par mi, sol, si, mi. Quatrième doigt, 2, 3, 2, pouce. On fait l'aller, le retour. Et là, au retour, plutôt que descendre sur le mi, on va descendre sur le ré juste en dessous. On va faire ré, fa, la. Et ensuite, on va redescendre sur le do. On va placer do, mi, fa, sol. Donc 4, 3, 2, 1. Do, mi, fa, sol. Et on va faire do, fa, sol, fa, mi. Alors, je vous conseille en doigté 4, 3, 2, pouce, 2 et quatrième doigt pour repartir sur mi, sol, si, mi. Cette base deux fois, ensuite elle change légèrement. On va faire mi, sol, si, mi, si, sol, on descend sur ré, fa, la, ensuite on descend sur do, mi, sol seulement, ensuite on descend sur si, pardon, sol, ré, sol, ensuite si, fa, si, et mi, sol, si, mi, si, sol. Je vous le refais.
troisième fois. Voilà pour la main gauche. Ok, partons sur la main droite. Je vous refais toute la ligne mélodique. On va placer le deuxième doigt sur le mi, le troisième doigt sur le ré. On fait mi, mi. Ensuite, on fait mi, ré, mi, fa, mi. Donc 2, 3, 2, pouce, 2. Deuxième phrase, on va placer donc le deuxième doigt sur le mi, le quatrième doigt sur le ré. On va faire mi, 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 mi. Là, on replace les quatre doigts donc sur mi, fa, sol. Et dès qu'on arrive à ça, donc on place les quatre doigts, on replace sur le ré le troisième doigt et le pouce sur le mi. On continue, troisième phrase. On replace les quatre doigts, on remonte jusqu'au sol, trois fois le sol, et ensuite, donc là au niveau des doigtés, pouce, pouce, deux, trois pouces, deux. Voyons les deux mains ensemble, tranquillement. Donc, votre main gauche commence. Et on commence en même temps que le mi. Donc là, c'est assez simple à placer, ça ne s'intercale pas, ça se place sur la main gauche. Donc sur le mi, sur le si et sur le mi. Et là, on a juste le ré qui est décalé. Alors, je vous le refais, donc. Mi, en même temps que le si, en même temps que le mi. On laisse passer le si, on joue le mi dans le vide, et on atterrit avec le ré en même temps que le sol. Écoutez bien. Ensuite, on a le fa en même temps que le ré, le mi en même temps que le fa, le la tout seul. On place la main gauche c'est toute seule. Et hop, on repart sur la deuxième phrase. Même principe pour le début. Là, le fa avec le ré. Fa, sol, ré, mi. Et ça tombe exactement calé sur la main droite. Ré, fa, la, do. La main gauche continue toute seule. On arrive à la troisième phrase. On commence directement sur le mi. Toujours le même schmilblick. Le fa en même temps que le ré. Le sol, le sol, le sol. C'est calé sur la main gauche. Sol à la main gauche tout seul et ensuite sol en même temps que le sol, sol tout seul juste avant le si avec le fa. On refait ça, sol, sol, fa, le mi juste après le fa et les notes qui nous restent ensemble, et on atterrit sur mi avec mi sol si mi à la main gauche. Si vous avez envie. Voilà,
donc là on a fini la mélodie, le couplet. On continue donc avec une petite transition qui fait ceci. À la main gauche, Do, Sol, Do. À la main droite, Mi, Sol, Do. Tout le monde ensemble. À la main gauche, La, Mi, La. Main droite, Do, Mi, La. Tout le monde ensemble. On continue. Ré, La, Ré. Fa, La, Ré. Tout le monde ensemble. Donc la main droite, le Fa avec le deuxième doigt, le Sol avec le pouce. Vous faites deux fois le Fa. Vous replacez le deuxième doigt sur le Fa, le troisième doigt sur le Mi. Vous le poussez sur le Fa, présent. Vous lâchez et vous refaites les trois accords. Vous faites ça une deuxième fois. Vous pouvez les arpéger. Et à la fin. Donc on a deux Fa tout seul. Et le dernier Fa commence sur la main gauche, Mi, Sol, Si, Mi. Voilà pour la transition. Ok, donc maintenant on va voir le premier solo. À la main droite, ça va faire ceci. Ça deux fois. Donc, on a le pouce sur le Sol et le quatrième doigt sur le Si. On va faire Sol, Si, juste après La, Si, 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 Do, Si. Ensuite, on pose le pouce sur le Do, le deuxième doigt sur le Sol et le troisième doigt sur le Mi. On fait deux fois Do, Sol, Mi, Do, Sol, Mi. On pose le quatrième doigt sur le Do, on remonte sur l'accord Do, Mi, Sol, Do et on redescend. Ensuite, on passe dans les aigus, le pouce sur le Mi, le deuxième doigt sur le Do et le troisième doigt sur le Sol. On repose le pouce sur le Mi, le deuxième doigt sur le Do. On repose le pouce sur le Mi, le deuxième doigt sur le Ré et le troisième doigt sur le La. Et Mi, Ré, Mi. Travaillez pour que tous vos doigts soient enchaînés. Donc dès que vous avez lâché, avant de lâcher le Sol, vous replacez le pouce. Vous replacez toujours le pouce. Et hop là aussi. Donc la main gauche de cette partie, c'est comme la première main gauche de l'introduction à faire. Mi, Sol, Si, Mi, Si, Sol, une deuxième fois. Et après on va redescendre sur La, Mi, La, Do. Voilà. Donc c'est la main gauche, la même que l'introduction, donc vous la connaissez déjà. On va faire ça ensemble. Donc, le Sol en même temps que le premier Mi. Le Si juste après. En même temps que le Mi et juste après. En même temps que le Mi et juste après. Encore en même temps que le Mi et juste après. Et là, hop, on passe à Do, Sol, Mi, main droite, et La, Mi, la main gauche. La, Mi, la, Do. Donc là, il y a une note de main gauche pour une note de main droite. Donc le La, et on redescend. On fait l'accord de main droite en même temps que l'accord de main gauche. Sur Mi, Do, Sol et la main gauche sur Mi, pardon, Do, Mi, Sol, Do. Une note de main droite pour une note de main gauche. Le pouce tout seul. On continue
Mi, Do. Et là, on va déplacer la main droite et la main gauche sur Ré, Fa, La, Ré. Je vous refais ce petit bout là. Donc le Mi de main droite en même temps que le Do de main droite en même temps que le Mi, le Sol en même temps que le Sol, le Do tout seul, le Mi en même temps que le Sol, le Do en même temps que le Mi, et là on déplace la main gauche sur Ré, Fa, La, Ré, et la main droite sur Mi, Ré, La. Le Ré tout seul, Mi en même temps que La, le Ré en même temps que le Fa, et on finit Mi, Sol, Si, Mi, Si, Sol, Mi. Et on fait ça deux fois de suite. Je vous le refais à une vitesse assez lente pour que vous puissiez jouer par-dessus. Du couplet. Plutôt que faire la mélodie que je vous ai appris tout à l'heure, j'ai inventé un petit truc qui fait ceci. Placez le pouce sur le Mi, le deuxième doigt sur le Si, le troisième doigt sur le Sol. Et vous faites Mi, Si, Sol, Si. Vous posez toujours la même chose. Là, vous allez reposer que le deuxième doigt sur le Si. Et vous faites Fa, Si, Mi, Si, Ré, Si, Mi. Je recommence la première phrase. Tout le temps. Donc vous reposez Mi, Sol, Si, Mi, Si, Sol, pardon. On repose le Sol et le Si tout le temps. Donc Mi, Si, Fa, Si, Sol, Si, Ré, Si, Mi. Pour la deuxième phrase, troisième phrase. On repart pareil. Mi, c'est le 4, je joue le Sol de main droite, je joue le pouce, pardon, je replace le troisième doigt sur le Si, le pouce sur le Sol, je repose les trois doigts juste en dessous du pouce sur Fa, Mi, Ré, je repose la même chose et je redescends sur le Mi. Avec la main gauche, ça s'intercale en fait, regardez. Alors, voyons cet arrangement avec les deux mains. Donc, vous placez votre main droite exactement la même que le premier couplet. Mi, Sol, Si, Mi, Si, Sol, Ré, Fa, La, Do, Mi, Ré, Sol, etc. Le Mi avec le Mi, comme d'habitude. Qu'est-ce qui se passe? On va avoir une note sur deux en fait pour la main droite. Je le refais, donc Mi avec le Mi, le Sol tout seul, le Si tout seul,
Ensuite, on a ensemble le sol et le si. Le si tout seul. Le mi ensemble. Le si tout seul. Le sol dessus. Donc c'est toujours une note toute seule, une note avec la main gauche. Hop, tout seul, ensemble, tout seul, ensemble, tout seul, ensemble, tout seul, ensemble. Et donc là, à chaque fois, c'est les si qui sont tout seuls. La main droite, la mélodie, tombe sur la basse. Et après, vous aurez appris toutes les parties de Metallica, de cet arrangement du moins. Vous posez votre pouce sur le si, le deuxième doigt sur le la, le troisième doigt sur le sol. Si, la, sol. Vous vous placez juste en dessous. Vous reposez votre pouce sur le sol. Vous reposez votre 2 sur le fa, le mi, le 3 sur le mi. Vous reposez votre 2 sur le ré, le pouce sur le mi. Je refais la descente. Si, si, la, sol, on repose le pouce. La, sol, fa, on repose le pouce. Sol, fa, mi, on repose le pouce. Fa, ré, mi. On continue. Sol, la, sol, si, si, la, sol. Donc là on alterne 2 pouces, 2 pouces, pouces, 2, 3. On refait la phrase. C'est exactement la même chose. Après on part dans les aigus. On va se poser donc le pouce sur le sol, le deuxième doigt sur le fa et le troisième doigt sur le si. On repose le pouce sur le sol, le 2 sur le fa, et on pose le pouce actuellement sur le la. Donc, fa, pardon, sol, fa, si. Sol, fa, la. Ensuite, on repose les 4 doigts. Sol, fa, mi, si. Et sol, fa, si. Donc pour l'instant, on a fait tout ça. On continue donc. Posez votre troisième doigt sur le sol, le deuxième doigt sur le la. Vous faites sol. Là, vous reposez le troisième. Et là, vous allez reposer le deuxième doigt sur le la et le pouce sur le si. Et vous jouez si, la. Vous reposez la même chose. Sol, la, si, la. Donc, sol, la, sol, si, la, sol, la, si, la. Là, vous posez votre pouce sur mi, ré, si. Vous reposez la même chose. Et ré,
Mi. Donc Mi, Ré, Si, Ré, Mi, Ré, Mi. Et on a fini tout le solo. Donc après, il va falloir vous entraîner à aller un petit peu plus vite. Je vous joue les deux ensemble. Donc le Si en même temps que le Mi. Le Sol et le Si de main gauche tout seul. Ensuite on repart avec le Mi main gauche, Si main droite. Le La de main droite tout seul donc. Donc là le La en même temps que le Mi. Et Ré en même temps que Fa. Sur deux, je vous le refais. Une note sur deux. Et on recommence la même chose. Commence la même chose. Et donc on part dans les aigus en se posant sur Sol, Fa, Si à la main droite et Mi, Sol, Si, Mi à la main gauche. Il y a une note de main droite pour une note de main gauche. Ensuite, on va se déplacer la main gauche sur Ré, Fa, La. Et là, on a une note sur deux pour la main droite. Le Mi tout seul. Le Sol tout seul. Et les deux derniers ensemble. Le Sol tout seul. Et là, pareil, c'est une note sur deux de la main droite. De ce morceau que j'ai arrangé, donc après à vous de faire votre propre arrangement, de mélanger les parties, de faire comme vous vous semble. Vous avez toutes les transitions, les solos possibles, à vous de faire votre propre sauce. Merci d'avoir suivi ce tutoriel, j'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne pour vous tenir au courant des prochains tutoriels qui paraîtront. Et vous pouvez aller sur mon site evelina-simon.fr pour vous fournir en partition si vous avez besoin. À bientôt.